Faut que j'en mange encore. Attends, regarde. Ouais, non, mais il m'en faut plus. Parce que là, tu sais pas, tu n'as pas conscience de ce qui m'attend. Puis, t'es pas au courant de toutes ces émotions. Puis, en plus, j'ai d'autres choses à dire. Oh, salut les amis, vous êtes là. Je vous avais pas vu arriver sur la pointe des pieds. Bah, en ce moment, je suis un petit peu méfiant, mais on arrive à me surprendre quand même. Hein. On va retourner dans ce jeu que vous aimez tant. Et que j'aime tant, moi aussi, d'ailleurs, faut avouer. Ok, visage. Alors, normalement, au moment où j'enregistre ça, vous devez avoir vu les streams des trois premières sessions. Et normalement, vous devez être en route pour la grosse émission qui contient les sessions 4, 5, 6, 7, qui ont été un peu charcutées pour aller plus vite et que ça tienne dans une heure. Parce que sinon, ça fait vraiment, vraiment trop long. Et vu que dans le jeu, on tourne beaucoup en rond. Bah oui, c'est quand même bien du montage, comme je vais le faire d'ailleurs pour cette vidéo. Et donc, il s'est passé plein de choses. Quand j'enregistre ça, on est le 5 juin, et il s'est passé des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. Enfin, si, mais des choses qui sont... je vous le dirai en fin de stream. Voilà. Je mange les cookies, parce que, bah, y en avoir besoin. Oh putain, j'ai plus de briquet. Bon, on va devoir faire une petite partie, mais ça sera coupé au montage, logiquement. On va y aller pour voir si ça déclenche encore l'event ou si ça le déclenche. Je vais peut-être ouvrir ça d'avance. Yo yo yo, c'est pas encore déclenché dans le script. Si. Voilà. Elle est pas belle la vie? On va quand même aller voir par curiosité, parce que la curiosité, c'est un vilain défaut, mais franchement. Sans, on s'amuserait pas autant. Coucou. Canaillou. Big bisou. Ah, hop, hop, je me casse. Non, t'es pas drôle. Trop tard. Je suis parti. Et en fait, là, tu te dis que t'es parti, que ça va mieux se passer. Mais regardez où j'atterris. Alors, c'était quoi l'embrouille? Ah oui. Faut mettre la papate là-dedans. Et j'avais fait tout un cirque comme quoi je voulais pas. Mais rien que pour vous, je vais le faire encore. Oh, ça va être encore tout gluant. Avec des trucs morts à l'intérieur, je suis sûr. Je vais prendre un petit biscuit. Non, c'était pas les efforts pour retirer la planche, c'est ce délicieux cookie. Oh la vache. Et dites donc, j'aurais pas entendu mon copain qui se réveille. Ah si. Donc normalement, si tout se passe pas bien, on devrait avoir une pas bonne nouvelle dans pas longtemps. Comment ça, je reprends un ton saccadé? Mais non, c'est votre imagination qui fait ça, enfin, restez décontracté comme moi, hein. Il n'y a pas de problème. Oh, le cookie. Oh, un cookie, ça va mieux. Cookie, hein? C'est où? Ah, ça fait moins peur quand on parle de la bouche pleine. Hop, 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 hop. On va le laisser, il est énervé. Alors, une des indications que j'ai, c'est que monsieur n'aime pas trop les flashs. Hein. Hein? T'es vachement proche là, gros, non? Je vais prendre cette chaise. Je vais la poser là. Et vous voyez, une fois que je l'ai prise, B. Oh là là. Et vite, on se casse. Je vous garantis que c'est un placard. Fuck me. Non. Ah. Bon, on va avancer au flash. Ça va être terrible. Alors, niveau localisation, je sais pas du tout où je suis. Je suis dans la baraque d'origine, une autre, je ne sais plus. Oh putain, j'ai tourné en rond, c'est bon. Je vais essayer d'aller en bas. J'ai plus de briquet pour allumer ma bougie, je suis malheureux. Non. Alors, pour les gens qui n'auraient pas vu, ce n'était pas sa... C'était sa main, hein. Que les choses soient claires. Regarde, il m'a fait bouger ou quoi?
Ah putain, il m'a fait bouger. Du coup, je sais plus où je suis. Alors ça, c'est la porte avec ma chaise que j'ai foutue en traviole. Il m'a fait remonter. Je vais redescendre pour faire le mec qui insiste pas, quoi. Comment ça, c'est pas une bonne chose à faire? Si, vous allez voir que cette décision est absolument géniale. Donc là, c'est là où j'étais. Ah, bah la bougie est allumée au moins. Il l'a allumée pour moi. Ça se trouve, c'est un pote. Il n'y a pas de briquet. Ce jeu n'est pas un pote. Non, mais si ça se trouve, le gars, il cherche juste la cuisine pour récupérer des trucs à chiper dans le frigo, et puis voilà. Il veut pas te bouffer, il t'emmerde pas. Hein. Donne-moi ça. Je sais pas du tout où je suis, les amis. Paniqué? Pas paniqué. Enfin, pas pour l'instant, quoi. Auto-saving. Auto-saving m'a sauvé. Alors, it's blocked. Oui, c'est l'autre mot pour dire it's confitured. J'ai toujours adoré cette expression pour dire que c'est coincé, it's jammed. C'est vrai qu'on traduit littérairement. Je voudrais bien un fucking briquet, les amis, sans déconner. Ce jeu est très vachard pour ça. On va fermer ça, ça va bien se passer. Je me suis enfermé tout seul dans le noir. Que pourrait-il m'arriver, honnêtement? Comment ça, faut pas que je chuchote, ça met encore plus de tension. Bah, eh oh, je partage. Oh putain. Une lampe! Non, non, tu restes où t'es, toi. Ah! Pas. Je sens que j'ai craché mon. Putain, où c'est qui m'a mis? Où tu m'as mis, papy? Des conneries, des bidules, des trucs. Beaucoup trop. Non, pas tout de suite. Oh putain. Lâche-lui sa gueule. Lâche-lui sa gueule. C'est parti. Alors, tout en tension, hein. Ça change pas. Je vais me redresser pour faire que je suis un homme et que j'assume. Mais les fois quoi. Je vais faire n'importe quoi. Je crois que je vais commencer à courir en gesticulant dans les couloirs. Ça veut dire qu'il faut que je trouve une fucking planche pour franchir ça, qui doit être dans cette piole. Forcément. Dont la clé est là-bas. Ça vous va? Planche. Take the fucking planche. Non mais non mais non. Faut que j'inspecte tout bien. Faut qu'il y ait une solution. Ouais. Je peux pas bouger cette étagère, n'importe quoi. Hop. J'ai le voisin qui joue de la Spiro. Ou il est en train de faire du catch avec plutôt. Alors du coup, je vais commencer à rusher un peu dans le jeu parce que ça m'a gavé. Et alors? Fallait quand même la voir, cette petite salope. Je l'ai dit. J'assume total.
Oh putain, tu peux venir le monstre. Donc maintenant, c'est pas très compliqué, hein. Je suis sûr qu'il y a une planche là derrière. Et donc, je suis sûr que je vais récupérer cette planche. Tout autant que je suis sûr qu'elle va me permettre d'enfin franchir la partie à gauche. À moins qu'on me saute à la gueule tout de suite. Oh la rustiquée de la mort. Qu'est-ce qu'elle m'aura fait chier. Je suis nul pour là pour pas prendre de planche. Tu te moques de moi, Maurice? Nah. Attention, attention. Poussez-vous, je passe. Pardon, pardon, pardon. Désolé. Elle se coince un peu sur les. Purée. Un blocage dans le jeu de 100 000 heures pour rien. Ça rend un peu vénère. Where are I am. I am, I am. Aïe, 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 aïe. Où est-ce qu'il m'a refoutu ce con? Je peux plus rien ouvrir là. Non, tu n'ouvres plus. C'est fini. Es finito la apertura de la portas. Tu marches. Fièrement. Droit devant toi. Même si la narine, là, je dois avoir rien à se passer. Je vois des trucs, mais il n'y a que moi qui les vois, on va dire. Non, je passe. C'est décidé, je fonce, je trace. Je me barre. C'est la fin, c'est la sortie. Ça a l'air trop sympa, ce rouge. J'aime pas quand il y a des flèches, parce que c'est... On se fout généralement bien de ta gueule, quoi. Bon, ça c'est réglé en face, oui. Le coup de la flèche, non. Oh non. Je ne suis pas de ces moutons qui se laissent faire. Ni des moutons cadets, ni des moutons Rothschild, ni de rien. Pas un mouton en tout cas. Salut, je viens pour la soirée anniversaire. J'ai apporté des slips de rechange. Oh putain. Un briquet un jour, ce serait bien, je rappelle, hein, parce que j'ai rien contre les briquets. Et les briquets même. Ah putain. Ah! Alors le jeu arrête pas de balancer des glitches sur ce passage, c'est super tendu. Il y a de la poussière là. Mais comment j'aurais trop envie d'un briquet? Je vous jure, je vais arrêter le jeu, je vais aller au bureau de tabac, je vais acheter 5 briquets, quoi, d'un coup. C'est... Plotch. Alors, niveau topographie des lieux, j'ai plus aucune idée d'où on est, les gars. Je vous le dis tout de suite. Pourquoi c'est rouge, là? C'est rouge parce que ça va te faire un sale coup. C'est rouge parce que c'est l'autre côté. Laisse allumer, c'est très bien. Briquet. Briquet. Et brique-toi le... Ce que tu veux. Bon, ce qui est quand même bien, c'est qu'on avance. C'est quand même une meilleure nouvelle que ce qu'on a subi tout à l'heure, parce que c'était quand même tristouille. Ceci dit, on a beau avancer, ça demeure pas moins tendu. C'est bien ce tiroir. Ah, je peux passer dessus. Bon. Mais c'est dans la baraque où j'étais, ça? C'est le garage? What the fuck? Et du coup, voilà. What to do, doudou? Nothing. Il y a plein de bouteilles de gaz, mais comment je te foutrais le feu à ce bordel, moi? C'était ça la soluce, faire le tour comme ça. C'était une
connerie affligeante. La Vaugrome? Ah, mais c'est plus éclairé du coup. Bon, on va y aller à la bourrin. Où qu'il est le bébé? One more time. Je vais être par là. On va éviter la téloche, hein. À chaque fois, ça me porte pas à bonheur. Alors, il y avait peut-être un briquet par là-bas dessus, avec un peu de chance. Vous avez vu qu'aujourd'hui c'est pas mon jour. Bah, de chance, il n'y a pas. On voit que c'est bien grifouillé tout partout là. Et que ça va par là-bas plutôt. J'ai plus un briquet, mes amis, ça sert à rien que je... Je sens que la surprise est pendant pas long. Alors, j'ai pas vu s'il y avait des griffures par là, mais... On va vite avoir l'info, à mon avis. Apparemment, je suis sur le chemin des griffures. Un être humain normal n'irait pas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Enfin, moi perso, non. Je ferais... Chérie, tu es réveillé? Ce qu'on va faire, je t'envoie un éclaireur, je te couvre. Et là, vous envoyez votre moitié faire le sale boulot, quoi. Je vois rien. Faudrait pas que je rêve maintenant, ce serait triste. Allez, on se barre. Les gens ont pas trop l'air d'avoir envie que je me barre ici. Je sais pas pourquoi. Sauvegarde. Yes! On a envie de sauver avant qu'il y ait une cata. 3 heures. Mais qu'est-ce que j'avance lentement là-dedans? Du coup, je sais plus du tout ce que je peux faire. Ce que je dois faire. Suivre les griffes, j'avais dit. Ça monte là-haut. Là, cette salle de bain, c'est le jambon. Puis le jambon paraissant, quoi. Le jambon qui aurait tourné, moisi, tout ça. Je vois pas. Si, si. Oh putain. C'est mon appareil photo qui m'a fait peur en arrivant en retard. Si ça, c'est pas la dèche. Briquet. Yes. Yes. Ah, vous l'entendez ce soulagement? Vous l'entendez cette joie profonde? Ce bonheur intense d'avoir fait tout comme il faut? Oui, il faudrait que j'aille dans la chambre de la petite, je pense. Mais je vais me faire un petit bain déjà pour me détendre. Je vais me mettre le sèche-cheveux pas trop loin au cas où il y a un problème. Bah oui, vous connaissez ma technique du pfft pour se débarrasser et pas assumer les responsabilités. Et ça vient se passer. Je fais une petite pause là et je vais faire mon inventaire comme il faut. À mieux à ce briquet. Bah oui. Oh, il est content, Bibi, là. Oh, qu'il est content. Ça fait je sais pas combien, au moins une heure de jeu, on n'avait pas trouvé un seul briquetto, quoi. Pourquoi c'est tout? Je vais me faire mon bain. Je peux monter? Non, mais je vais vraiment me faire un bain. Il y a du shampoing et tout ce qu'il faut, les gars, vous croyez quoi? Alors, chambre de la gamine, maintenant que je suis requinqué. Ah, mais je ne peux plus sortir. Ah, mais je ne peux plus sortir pour de bon, quoi. Le coup du placard, non, on se méfie. Anybody here? No one? No one is innocent? What the f... Ça, c'est pas très drôle. J'entends de l'eau. Il y a de l'eau.
Il y a de l'eau qui coule. Ça tombe bien, je voulais prendre un bain. Attends, je vérifie la température parce que moi j'aime bien les bains à 38 degrés. Enfin, ah oui, si c'est pas à 38 degrés, pour moi c'est pas un bain, c'est la manche. C'est en train de me bouffer mon briquet pour rien, cette connerie. Ça a débordé là, faudrait peut-être. Les gars, les gars. C'est bon, on arrête là. On arrête. Je sors. Je prends mon shampoing. Je sais pas. Non, mais non. Ça continue de monter, mais il va y avoir un problème. Hein. Enfin, moi je dis ça, après vous faites comme vous voulez, les gars. Oula, c'est en train de prendre une sale couleur. Comment ça y a des sales bruits? Non, 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 tout est normal. Je vais poser une praline et je vais me baigner. C'est bon, il y a assez d'eau, les gars. Non, mais n'en rajoutez pas pour moi, ça va aller. Alors, pourquoi je suis coincé dans cette fraline Ok. Vapeur là. Interact. Je vous avais bien dit que je prendrais mon bain. Zut, j'ai oublié de me rapprocher le séchoir. Bon, ça va, il est pas trop loin, je serais pas obligé de sortir. Ah, ça va mieux. Ah, ça va pas mieux. Ah, ça va pas mieux. Non, 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 non. Non, 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 non. Petite fille, tu regardes la télé? J'entends pas super les voix. Oui, j'en profite pour vous remonter le son. Oui, je le fais vite fait comme ça. Hop, hop, c'est fait. Ce n'est plus à faire. Et on est tous dedans, bien immergés. Alors, est-ce que je suis en train de triper parce que je suis dans mon bain? Ou...
Suis-je passé à trépas? Ou est-ce la vraie vie? Bon, apparemment, c'est à cause de la pépette que c'était pas bien ce qu'elle se mettait dans le bras, si j'ai bien compris. La petiote, elle fait pas qu'user de substances. Elle zigouille des gens déjà depuis longtemps et c'est connu. Une baignoire nuptiale, comme dirait ma chérie. Côté le réservoir quand même. Alors ça, d'après moi, c'est les syndromes du mec qui a trop abusé des cachets, des calmants. Comme quoi la chimie c'est dégueulasse, hein. Et à part faire marcher de l'industrie, et dans les cas où c'est la seule solution, c'est quand même un truc indispensable. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je vois quelqu'un, je suis sûr que c'est quelqu'un. Oui, je vais bien. Je suis juste enfermé avec la petite fille, qui a pas de mâchoire. Oui, c'est bien elle, c'est bien elle. Petite fille! Bon, bah, au moins, si je dois lui la rendre, voilà, je vais la ramasser, je vais lui la rendre. Et donc c'était cet early access de visage qui vous a tenu en haleine pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine de streams qui moi m'a fait changer de slip très très régulièrement et que très très honnêtement j'aurais qu'une envie, c'est recommander quoi. Donc je le rappelle, le principe de visage quand même, c'est pas du bourrinage à la Resident Evil avec des gros trucs baveux en permanence sous le nez. Ici, tout est suggestion plus que démonstration. Mais du coup, il y a un public pour ça, je dois avouer en faire partie. Et du coup, moi je trouve ça très très bien amené, malgré le peu de moyens qui sont bien utilisés, malgré la recette des scripts qui est éculée depuis je ne sais pas combien de temps. Et du coup, ben,
C'est chouette. Oh, bah, je suis vraiment coincé là-dedans du coup maintenant. Je peux même pas ramasser la mâchoire. Oh, quel dommage. Je vais me ramasser un bout de PQ, tiens. Qu'est-ce que c'est... Oui, mais c'est pour les professionnels, c'est pas pour moi. Oh, du coup, le jeu vous bloque là-dedans une fois que vous avez fini cette partie. Ah, ta, une clé, coco. Clé, coco. Ok, Progress Room. Donc, j'ai bien déverrouillé le premier chapitre. Et j'ai une clé qui va me permettre d'ouvrir. Suspense. Et j'ai une clé qui va me permettre d'ouvrir. Safe key. It's very ugly. Oh, shit. Allume-moi ça. Ok. C'est pas mal. D'autres choses à prendre? Des cadeaux? Je voudrais bien un nounours pour lui faire des bisous. Plein de bisous. Ah oui, plein de bisous, nounours. Donc, petite. On a démantibulé ton histoire. Tout va bien se passer maintenant. Rest in peace. J'ai ta mâchoire d'ailleurs si tu veux chérie. Hein. Elle est sur l'hôtel des je ne sais pas quoi. Les inters sont revenus. Ça c'est la grosse méga good news. Vous entendez le ton de ma voix comme je suis content. Et donc, bande de petits coquins. Pour terminer ce petit tour de la preview de visage. On va faire ça en beauté. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, je vous emmène. Je vous remercie d'avoir suivi tous ces streams. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles reviews, des nouvelles previews et bien sûr des shmups. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, des autres. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao! Il y a un oiseau menaçant derrière ou c'est moi?